Madame Chevalet et Alexia, en direct de chez moi. Avec l'équipe de Capital, nous avons décidé de vous proposer des exercices à pratiquer régulièrement à la maison. Bonjour à tous, aujourd'hui séquence renforcement. Petit travail couché, on va faire une série d'exercices pour renforcer les abdos, le dos, et un petit peu les jambes. Vous allez voir, l'exercice est assez complet. Donc, on est couché, on va avoir besoin donc de notre tapis, un petit coussin, un deuxième petit coussin, notre bouteille d'eau, d'un litre rempli à moitié, un millilitre, c'est pas mal, hein, l'équivalent d'un poids de 500 grammes, c'est plutôt bien pour vous, hein, d'avoir ce petit poids à côté, pour que l'exercice soit encore plus efficace. Donc vous avez les bras sur le côté pour commencer. Votre petite bouteille, pour l'instant, on n'en a pas besoin. J'ai le dos bien plaqué au sol, mes pieds sont à plat, pieds écartés sur la largeur des hanches. J'ai les bras écartés, paume de main vers le haut pour commencer, en redressant bien le haut du dos. Du coup, ça facilite l'ouverture des dorsales. Du coup, pour éviter de forcer sur les cervicales, je bascule mon bassin, je fais sentir mes lombaires venir se plaquer dans le sol, serrer les fessiers et je monte. Je bascule, je soulève mon dos petit à petit en soufflant. Je monte, je monte, je monte, le plus haut possible. J'arrive en haut, je prends une inspiration. Et en redescendant du haut vers le bas, progressivement, je vais reposer ma colonne vertèbre après vertèbre. Reposer petit à petit. Et je reviens. Je vais revenir cambrer un peu mes lombaires. Donc là, je suis en position neutre. Inspirez. Et je recommence. Donc je vais répéter l'exercice une dizaine de fois. Je bascule, je serre les fessiers, je souffle. Je monte le plus haut possible. Je suis en haut, j'inspire. Et je vais reposer mon dos. Comme un collier de perles, mes vertèbres vont se poser les unes après les autres. Du haut vers le bas, vertèbre après vertèbre. Plus le travail sera lent, plus il sera efficace. Plus vous ferez travailler votre dos du haut vers le bas. Voilà, pour que l'exercice soit vraiment intéressant et que le travail se fasse aussi au niveau des fessiers. Vous allez sentir les muscles des jambes aussi travailler. Hein. Je vais prendre ma petite bouteille, comment j'y suis. Petite variante, on y va. Même série, je monte. Je bascule, je soulève, cette fois j'ai ma petite bouteille, je soulève mon dos, je suis tout en haut, et là je monte, j'élève mes bras, mes mains vont venir se rapprocher, l'une vers l'autre, et j'ouvre ma cage thoracique, mes bras redescendent tout doucement, je maintiens ma colonne le plus haut possible, je souffle, je monte, je redescends lentement et j'inspire, toujours en maintenant la position du corps sans bouger, mes épaules sont basses et je répète le mouvement. Petit travail de renforcement du cou qui va se faire au niveau du dos, au niveau des abdos. Le fait de soulever vos bras, ça renforcera encore plus le travail au niveau de la colonne. Je monte, je souffle et une fois que je suis en haut, je redescends. La petite bouteille passe bien sûr d'un côté à l'autre et je vais reposer mon dos tout doucement. Je repose mon dos et je relâche. Voilà, ok. Petite variante, on continue. C'est reparti, même série d'exercices, toujours dans la même position du corps. Je bascule mon bassin, je soulève mon dos en soufflant. Une fois que je suis tout en haut, je lève mes bras. Et là, vous allez, attention, veillez à ce que vous n'ayez pas de problème d'épaule, hein. Si je peux, je vais vers l'arrière en inspirant, je ne relâche pas mon dos et là je ramène en soufflant et je recommence. Inspire, petite inspire, souffle, ramène. Le travail sera encore plus efficace au niveau des abdos. Je monte, j'élève mes bras, j'inspire, j'abaisse mes bras, je souffle. J'ouvre ma cage thoracique, j'inspire. Je vais avoir tendance à avoir le bassin qui descend. Donc je cherche toujours à monter le plus haut possible. Vous allez sentir encore plus de travail au niveau du dos, les abdos un peu plus renforcés, mes cuisses, mes ischios, mes mollets. Exercice hyper intéressant hein, pour un travail global. Hein. J'ouvre, j'inspire, je ramène, je souffle et là, je redescends tout doucement et je relâche. Cet exercice, vous pouvez le faire également avec un petit coussin entre les genoux. Ce qui va encore plus solliciter les adducteurs, les fessiers, un peu plus difficile, hein, on va quand même essayer, hein, je vous sens bien motivé là. Je bascule, je monte, je souffle. Une fois que je suis tout en haut, je prends une inspiration et en soufflant, j'élève mes bras.
Et on est parti. J'ouvre, inspire. Et là, je ramène, je souffle. Et repars. Inspire, souffle. Ma tête ne bouge pas, hein, je précise. Hein. Mes pieds bien à plat, cherchez bien à écraser le coussin avec vos genoux. Vous allez voir que le travail est encore plus intéressant et encore plus profond. Je souffle, petite série de 10 et je redescends tout doucement. Voilà, chaque exercice, vous pouvez répéter 3 fois, 4 fois de chaque. Je pense que là, vous aurez fait une bonne série. Et voilà, la petite série d'exercices est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.